Voilà. Donc ce soir, ben, c'est un petit peu Pierre qui va diriger ce petit webinaire, qui va nous parler ben, de pas mal de choses ben, autour de ses pratiques. Donc, ben, il disait tout à l'heure en guise de prologue, la respiration notamment, etc. Mais si vous connaissez Pierre, vous savez qu'il est naturopathe, ben, il va se présenter après. Il a une pratique autour de l'hormèse. Moi, je leur dis, j'ai croisé Pierre maintenant il y a plusieurs années sur un séminaire à Paris. Et donc voilà, j'ai tout de suite accroché avec le personnage parce que c'est un sachant, mais sage. Vous savez, ce n'est pas le genre de personne qui va pousser les autres pour se mettre en avant ou dire du mal des autres pour se faire valoir. Pierre, c'est vraiment quelqu'un qui a une belle philosophie de vie, qui partage ses connaissances et voilà, enfin, je ne sais pas, moi, je te vois comme un peu un sage, tu sais. Ça résumerait tout Voilà, normalement. t'es Mais un adorable. jeune sage, du coup. Faut arrêter avec les compliments parce que après je sais plus où me mettre, mais t'es Ouais, adorable. mais je dis ce que je Écoute, pense. c'est très très gentil. J'espère que je le suis pas parce que je pense que quand on devient sage trop tôt dans notre vie, sur la longueur, on performe moins que les autres. Ouais. Et ça, c'est dis-moi. Je voyais une fois qu'on se définit jamais vraiment comme sage, c'est les autres qui le définissent pour toi. Donc Voilà. toi, continue à te voir comme tu es et ça sera très bien. C'est très gentil. Mais tu sais, l'histoire de la science nous le prouve très bien. La vraie science, hein, celle de l'essai-erreur, celle de l'apprentissage par empirisme, pas la pseudo-science qu'on essaye de nous inculquer de nos jours. Dans l'histoire de la physique quantique, la figure de la physique quantique, en fait, au début du siècle dernier, on s'est rendu compte que ceux qui faisaient des erreurs plus tôt dans leur vie réussissaient mieux dans leur carrière et faisaient des meilleures découvertes que ceux qui connaissaient une découverte, une réussite trop tôt, et après finalement ne découvraient pas des choses qui étaient très importantes. Et ça, c'est très fort en fait. Donc ça replace les erreurs au centre du processus d'être dans la recherche, d'être dans la véritable démarche scientifique. Et ça, je pense qu'on est tous en fait sensibles à ça, sensibles à cette recherche scientifique. Puisque voilà, tu parlais de me présenter, moi je me vois vraiment comme quelqu'un dans la recherche. Et j'espère l'être véritablement. J'espère que c'est pas juste une histoire que je me raconte tout seul, dire ouais, pour faire le beau, tu vois, avec moi-même devant le miroir, ouais, t'es dans la recherche et tout. Mais j'espère vraiment, et j'ai l'impression, hein, parce que je trouve que c'est les gens qui sont là, si vous êtes là à 19h, si vous avez mis la famille d'un côté de la maison pour être sûr d'être bien au calme et écouter un gars blablater sur Internet, je pense que non seulement c'est de la curiosité, mais c'est aussi parce que vous avez envie de gratter et vous avez envie de chercher ce qu'il y a à trouver chez les autres. On est tous un peu chercheurs et scientifiques. Ouais, si je devais me définir, ce serait ça. Indépendant parce que je dépends de personne, parce que j'ai pas une institution qui me paye, j'ai pas, voilà, je suis indépendant. Donc chercheur indépendant, ça me va très bien. Et après, il y a des doctrines qui me touchent très particulièrement. La naturopathie en est une, qui veut dire tout simplement le choix de la voie de la nature, pardon. Donc suivre au plus près la voie de la nature. Et je pense, même si c'est un long débat, un vaste débat, un ancien débat dans le monde du sport, que performance et santé peuvent aller de pair. Je le pense, c'est qu'un avis, c'est qu'une opinion, et encore une fois, je pense que c'est ouvert au débat, mais on peut avoir les deux, et le naturopathe dit ça en gros. Hein, il dit, si vous suivez la voie de la nature et que vous respectez les lois qui s'imposent à nous, vous allez connaître sans doute votre plein potentiel. Ce qui remet en cause tout le monde du biohacking actuel, je déteste ce terme-là, parce que qu'est-ce que tu veux hacker? T'oses essayer de hacker des millions d'années d'essais-erreurs contre la nature, mais tu rigoles ou quoi? Tu vas hacker uniquement tes mauvaises habitudes. C'est ça qu'on hack, en fait. En fait, on met des lumières, des lunettes anti-lumière bleue, en disant que c'est du biohacking, mais en fait, on hack juste nos mauvaises habitudes d'allumer les néons et les lumières tard le soir, et de dormir tard le soir. C'est ça, en fait, hein, on hack ces mauvaises habitudes. Donc voilà, la naturopathie me parle énormément et maintenant j'ai un centre de formation où je donne des cours et je forme des gens à tout ça et à cette fameuse joie de l'hormèse qui est un concept qui dépasse en fait le concept de résilience. C'est-à-dire c'est la résilience, on en entend beaucoup parler notamment par Michel Serres et d'autres auteurs qui nous disent bon ben il y a des épreuves qui nous arrivent dans la vie, elles sont dures, mais l'être humain a une capacité de résilience, c'est-à-dire il peut surmonter les épreuves comme si on était tous forts. C'est magique, c'est super comme discours, hein, de rendre les gens forts et pas faibles. Pas de les, voilà, je pense que c'est très très bien.
Mais il y a un côté qu'on oublie, c'est le fait qu'on va se renforcer, en fait. Il va y avoir des parties en nous qui vont s'améliorer et pas seulement être dans une forme de bon, l'effort surmonte l'épreuve, puis les faibles, en fait, vous allez tous vous ramasser et vous allez vous prendre le mur, quoi. Mais l'effort, vous allez surmonter le mur. Voilà. Il y a une espèce de chose qui n'est pas vraiment vraie, en fait, parce que dans la nature, tous les animaux et tous les êtres vivants et même tous les systèmes dynamiques non linéaires, ça, on en parlera beaucoup dans le stage le mois prochain, connaissent des surcompensations positives. Ça veut dire qu'il y a un stress, il y a un événement fort, et en rebond de ça, il va y avoir une amélioration quelque part dans le système. Alors, nous, à notre échelle, ça peut être le système nerveux, ça peut être le système hormonal, ça peut être le système immunitaire, ça peut être le système osseux, hein, ça s'appelle la loi de Wolf, ça, quand on met des contraintes sur les os ont tendance à se renforcer, à absorber plus de calcium, donc c'est typiquement c'est ça, en fait, une surcompensation positive, et pas seulement donc du négatif. Vivre un stress, vivre une épreuve, on va tout de suite connoter ça négativement en disant que ça crée un stress post-traumatique, sans parler de ce qu'on pourrait appeler une croissance post-traumatique. Et ça remet en lumière et en place toute notre considération du stress. Et un des thèmes vraiment que je vais aborder durant le stage le mois prochain, hein, ça va être la neurobiologie du stress et l'histoire du stress. C'est important de savoir comment on a su ce que l'on sait actuellement du stress. Parce que dans toute la chronologie, en fait, l'histoire du stress, depuis les années 50, en fait, on s'est intéressé à ça. On en a dégagé, en bout de course, une vision globale de l'individu, de comment il réagit face à son environnement. Et surtout, on a délimité une sémantique qui s'est complètement perdue nos jours. Si vous me suivez un peu sur les réseaux et vous, le labo, ça fait plusieurs fois qu'on échange ensemble, à la fois sur ma chaîne, sur la vôtre, etc. Je repars toujours de la sémantique. Je repars toujours des termes et des mots. Parce que sinon, si on n'est pas sûr, si on ne se met pas d'accord sur la définition des termes, on va tous parler d'un même mot, mais avec des définitions différentes. Donc, on va faire des débats sans fond et sans fin. Donc, il faut faire un petit jeu de sémantique. Et c'est pour ça que quand le stress, il est au cœur de tout ce qu'on dit. Vous, dans la neuro, moi, dans l'hormèse, les gens dans leur vie, le stress, c'est partout. Et on parle de quoi, en fait? Et en fait, tout se mélange. Quand je vous dis qu'un bain froid, quand on dit, voilà, le froid, c'est stressant. Le bain froid, c'est un stress pour l'organisme. Voilà, rien que cette phrase-là. Qu'est-ce qui est stressant? C'est quoi le stress, là? C'est la baignoire avec le bain et les glaçons? Ou c'est le corps qui réagit? C'est quoi le stress? Il est où? C'est quoi exactement? Si on ne définit pas bien ça, qu'on fait un méli-mélo, en fait, on parle un peu des deux. Quand on dit le bain froid, c'est un moment stressant, c'est du stress. On dit, en fait, c'est les deux. C'est le corps qui connaît un stress, et c'est le bain froid qui est un stress. Mais si vous pensez que le bain froid est un stress, alors ça laisse aucune porte ouverte à l'individualité. C'est-à-dire, ça va être un stress pour Adrien, ça va être un stress pour Romain, ça va être un stress pour Christophe, ça va être un stress pour tout le monde. Mais non, en fait, on voit bien que pas du tout. Il y a des gens qui sont habitués à faire du froid, ils rentrent dans un bain froid comme ils rentrent dans un bain chaud, pour eux, c'est peanuts. Puis vous avez un gars qui n'est pas du tout habitué, il va rentrer dedans, il va être au bout de sa vie, parce que ça va être la première fois qu'il le fait. Donc on voit bien que ça ne marche pas, ce truc-là. Et après, le stress interne de l'organisme, là encore, on est tous différents. On réagit tous de manière différente. Donc le stress, il faut bien comprendre qu'à la base, dans l'histoire, ce mot-là, il désigne la réponse du corps uniquement. Et que pour les agents externes, on utilise soit le terme stresseur en français, soit stressor en anglais. Donc ce serait beaucoup plus juste de dire les stresseurs quand on parle, encore une fois, d'un effort physique, d'une prise de parole en public, d'un bain froid, d'un truc voilà, externe. Et que quand on parle du stress, c'est vraiment uniquement ce qui se passe à l'intérieur. Et à partir de là, on peut individualiser. C'est-à-dire, on peut dire, ce qui est un stresseur pour Gilbert, qui a 52 ans, c'est la douche froide du matin. Et le stress, ça va être tel taux de cortisol dans ses analyses sanguines. Okay. Au lieu de dire, d'avoir une approche très dogmatique, de dire, voilà, le froid, le stress du froid, c'est un bain à 5 degrés. Et là, ben non, un bain à 5 degrés pour toi, pour moi, pour lui, c'est complètement différent.
le stress, ça ne va pas être la même chose. Et donc, on ne peut pas individualiser comme ça. Donc, la neurobiologie du stress, c'est vachement intéressant parce qu'on repart d'une très bonne sémantique comme ça et on en arrive à la compréhension globale de l'individu où ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas seulement se référer aux analyses biologiques et aux taux d'hormones, etc. Il fallait forcément qu'on prenne en compte l'aspect psychologique et émotionnel et cognitif, c'est-à-dire l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Et très tôt, en fait, hein, dans les années 70, très tôt, on s'est rendu compte, les chercheurs qui étudiaient ça, notamment au Japon, parce que les conditions de travail étaient terribles, ils se sont rendus compte que si on ne prend pas en compte le cadre de vie de la personne et l'histoire qu'elle se raconte, et là, il y a une phrase de stoïcien qui me revient en tête, mais c'est l'une des plus belles de Marc Aurèle, c'est que la difficulté est dans le jugement. En fait, les stoïciens, ils avaient déjà tout dit, la difficulté, elle est dans le jugement. Dans l'idée que tu te fais, en fait, d'une situation, c'est là où est la difficulté. Et le fait qu'on se raconte, qu'on ait une narration interne vis-à-vis, par exemple, je vais regarder cet exemple du bain froid, si on se dit que ça va être difficile, eh ben le corps va d'autant plus réagir fortement pour éprouver, et là on est dans les systèmes de codage prédictif que vous connaissez bien de Carl Friesen, etc., c'est-à-dire aussi simple, enfin aussi, comment dire, banal que des choses comme « ça va faire froid, ça va être froid », si le cerveau il prévoit ça, il va tout faire pour coller la prédiction et qu'il n'y ait pas d'erreur somatique. Donc, vous allez avoir très très froid. Et ça, très tôt, c'est-à-dire, on parle de... Voilà, il y a eu la biologie des croyances avec Bruce Lipton qui a commencé à parler d'épigénétique il y a très peu de temps, et on se dit, c'est assez récent de faire le pont entre l'esprit et le corps. Mais en fait, non, depuis les années 70, et c'est acté, je veux dire, c'est pas un hippie New Age qui vous dit ça, quoi. C'est acté dans les plus hautes sommités au-dessus, c'est le soleil, quoi, tu vois. Donc, c'est assez important de voir que l'aspect, comme on dit, global ou holistique, il est acté déjà dans le monde scientifique depuis très longtemps. Et donc ça m'amène à un autre sujet, donc neurobiologie du stress, c'est ce qu'on va étudier de manière théorique, mais ça m'amène à la pertinence de s'intéresser aux sciences cognitives, c'est-à-dire pertinence de savoir tout ce que l'on sait actuellement sur la conscience, comment ça émerge, tout ce que vous vous dites là, les mots là, du genre « punaise, je ne vais pas me choper un webinaire pendant une heure avec un gars qui blablate comme ça sur un truc que je ne comprends rien », tout ce que vous dites maintenant là. Toutes les pensées qui viennent, qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Parce qu'il y a des gens, évidemment, ça a foudroyé l'humanité de se dire, mais punaise, on a un cerveau qui parle et une voix dans la tête, là, comment ça se fait que ça arrive, quoi? Les animaux, là, mon chien, il n'a pas ça. Et lui, il sent, il renifle, il a faim, il dort, il va faire caca. Bon, ben, concrètement, c'est tout ce qu'il fait. Comment que nous, là, on peut se demander pourquoi on se pose cette question et pourquoi, et remonter comme ça indéfiniment. Bon, bref. Ben ça encore, on a défriché vachement de terrain, et surtout en France. Les Américains, ils se prévalent d'être arrivés assez loin de nos jours, notamment avec Sam Harris, là, qui était il y a pas longtemps sur le podcast d'Andrew Huberman. Superbe podcast, si vous voulez écouter l'introduction à la méditation, c'est génial. Mais tout ce qu'il dit, hein, c'est du Francisco Varela, c'est-à-dire c'est un gars français qui est mort en 2001, qui était un génie, qui était français, voilà. Les sciences cognitives, c'est nous qui avons vachement défriché de terrain, quoi. Ça c'est perduré par des gens comme Michel Bitbol, comme Nathalie Depraz, des chercheurs français. Et ça c'est vachement bien. Bref, ça va être un gros morceau aussi du séminaire du mois prochain, où on va vraiment explorer tout ce qu'on sait au niveau de l'esprit, comment ça émerge, comment ça s'est nourri et s'est incarné dans le monde qui nous entoure, comment c'est une incapacité pour nous de nous dégager de l'expérience, de nous dégager en fait du monde. On est inscrit dans le monde qui nous entoure et c'est récursif, c'est-à-dire, et c'est autopoétique. Donc, c'est-à-dire que comment je vois le monde définit ce que je reçois en sensoriel, qui nourrit l'action, et tout ça, c'est incarné dans le monde. Et on se construit là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moi qui est détaché du monde entre retraits qui serait capable de voir la réalité comme si j'arrivais à m'en extraire. Je suis tout le temps dans l'expérience. Et je ne peux pas prendre un pas de recul par rapport à l'expérience. Je suis toujours avec mon système sensoriel qui capte tout ça. Il n'y a pas moyen. Et comme il n'y a pas moyen,
il n'y a pas une vérité absolue. C'est-à-dire, il n'y a pas un monde où, comme on en parlait durant le quart d'heure neuro la dernière fois, c'est pas comme s'il y avait une réalité d'un monde qui est prédonné, avec voilà, cet arbre, il a tel feuillage d'une telle teinte de vert, ou un tronc qui est plus ou moins marron. Je pense que c'est la vérité, je pense que cet arbre, il avait ces caractéristiques-là avant que je le regarde. C'est pas parce que je le regarde que tout d'un coup, il a un tronc marron et du feuillage vert. Avant que je le regarde, il avait tout ça. Ça, c'est comme on pense généralement. Et mon voisin, sans doute, qui voit la même chose. Mais non, pas du tout. Pas du tout. On a tous une capacité à voir les couleurs qui est différente. Si vous parlez à un Esquimau, vous voyez un lapin blanc, vous parlez à un Esquimau, les Esquimaux, ils ont 16 termes pour définir la couleur blanche. Donc lui, il va avoir vachement de variantes de blanc. Il va vous dire, ça, c'est un blanc gris cassé, etc. Mais tout est envie de lui dire, mais c'est du blanc. Sa perception va nourrir l'action qu'il fait dans le monde, et ça va être récursif, donc, et ça va changer son système en tant que tel. Ce qui veut dire qu'on a tous une captation de l'environnement, une vision du monde qui est différente d'un individu à un autre, et il n'y a pas une réalité unique qui est au-dessus de tout ça, et on essaye tous de le voir ou de l'entendre de la meilleure manière possible par des représentations. Non, on est chacun immergé dans le monde et immergé dans l'expérience. Bref, tout ça, c'est un truc passionnant qui nous mériterait 6 heures d'explication, hein, vous comprenez bien, mais on va essayer, aux manières de, voilà, j'ai un PowerPoint, j'ai des schémas, j'ai des trucs qui peuvent expliquer un petit peu tout ça et qui soulagent l'esprit. Parce que je crois beaucoup, j'écoutais une conférence en neurosciences, justement, qui était sur l'attention, qui nous est accaparé de nos jours par les réseaux sociaux et tous les écrans, etc. Et comment ça se manifeste dans le cerveau. Et il y a quelqu'un dans le public qui demande, c'était une table ronde avec des chercheurs et des scientifiques, qui dit comment on fait pour régénérer cette attention et pour la créer, en fait, pour avoir une meilleure attention, un meilleur focus, etc. Comment vous faites-vous? Alors, il y en a un qui dit, moi, je dors plus. Moi, je pionce, et je sais que c'est quand je dors bien dans ma vie que j'ai une meilleure attention. Donc, tout le monde rigole un petit peu, mais en fait, il dit, ben ouais, ben, vous rigolez, mais c'est ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est la base. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas ça qui est check, laissez tomber le reste. Donc, ça, c'était une première réponse. Et l'autre auteur dit, moi, je pars par la compréhension. Ce qui me permet d'avoir une bonne attention, c'est de comprendre ce qui se passe, ce que je lis, ce que j'entends. Je marche par la compréhension. Et ça, c'est très bouddhiste aussi. Quand on fait une prière dans le bouddhisme, on dit shanti, shanti, shanti. On pourrait traduire, certains auteurs traduisent par l'illumination ou l'apaisement par la compréhension. C'est-à-dire, une fois que tu comprends les choses, que tu vois, que tu fais de lumière sur, tu es apaisé. Et je pense que nous tous, là, qui sommes intéressés par la neuro, le cerveau, le mouvement, etc. Quand on connecte the dots, comme disent les Américains, quand on connecte un truc qu'on fait dans notre tête, on dit, ah ouais, il y a le truc, on a une forme de joie, c'est clair, mais aussi un apaisement, on dit, oh, ah, c'est trop beau, comme si je venais de manger un truc bon, quoi. Ah oh, ouais, c'est génial. En fait, c'est ça qui, me nourrit énormément. Et c'est pour ça que je veux passer du temps sur la sémantique, l'histoire du stress, de parler des hormones, de parler du CRH, de la CTH, des précurseurs du cortisol, de voir comment ça se manifeste dans le corps, tout ça, ce stress. Parce qu'il y a un apaisement par cette compréhension-là. Et le monde dans lequel nous vivons est tellement volatile et incertain qu'on doit cramponner en fait, notre être dans des choses qui sont solides. Et la connaissance, la compréhension du monde, même si il y a une phrase de mon ami Pierre Etchart qui me revient en tête qui est « Ce que l'on sait, c'est peu de choses, mais c'est important. » Et c'est pas « Je sais que je ne sais rien », la fameuse phrase qu'on dit « Je sais que je ne sais rien », etc. Mais c'est plutôt « Je sais que je ne sais pas grand-chose. » Par contre, ce que je sais, que c'est pas grand-chose là, ben c'est important. Et il faut le savoir. Comme voilà, donc l'histoire des sciences, l'histoire de la physique quantique, les révolutions qu'il y a eu au siècle dernier, ce qu'on sait actuellement en neurosciences, et Idriss Chah avait très très bien dit quand une journaliste de la RTBF, je crois, lui avait posé la question « Qu'est-ce que vous souhaiteriez à l'humanité
pour que elle règle tous ses problèmes, ses conflits, etc. Et lui, il avait dit que l'humanité soit au courant, en fait, de toutes les recherches qu'il y a eu en sciences comportementales il y a ces 50 dernières années. C'est-à-dire, si on connaissait toutes les expériences qu'il y a eu en sciences comportementales, c'est-à-dire l'expérience de Nash, les expériences de groupe, où on voit les comportements un peu moutonniers de l'humain, où on voit, voilà, etc. Si toute l'humanité, d'un seul coup, d'un seul, d'un claquement de doigts, savait tout ça, en fait, on réglerait tous les problèmes de conflits, etc. Et je pense qu'il y avait du vrai là-dedans. Donc, c'est dans cette optique-là aussi, et je pense que aussi c'est un peu la vôtre au labo, de partage et de transmission que j'ai envie de relayer un peu tout ça. Et tout ça, évidemment, bon, bah, si on parle de stress, si on parle d'adaptation, eh ben, on va faire du froid. Aujourd'hui, c'est un webinaire là qu'on fait, donc si vous voulez poser des questions par rapport au froid, la récupération, ce terme de récupération que j'aimerais qu'on batte un peu en brèche, l'utilisation voilà, dans le milieu sportif pour la performance, etc. Donc, ça sera discuté au mois prochain aussi. Et surtout, on sera dans la pratique. Hein, c'est-à-dire que la prise de connaissance, elle passe par la pratique. Et on a des enfants qui viennent nous voir, mais c'est magnifique. Tu l'embrasses bien fort. Ça passe par la pratique. Et donc, douche froide, bain froid, inconfort. Allez voir ce qui se passe à cette petite zone-là. Cette petite zone, vous savez, ce petit moment où vous avez envie de sortir, vous avez envie d'arrêter. C'est la même zone que quand vous préparez un truc super bon à manger, que vous posez devant vous, et que vous avez le choix, en fait, de créer un espace-temps un peu plus long que d'habitude, où vous attendez. Et vous ne vous laissez pas submerger par la pulsion de vous jeter sur l'assiette, et vous attendez juste. Et vous voyez comment ça tiraille dans l'esprit. Ça, pour les bouddhistes, c'est royal. C'est-à-dire, c'est le moment du manque. C'est quand on est attiré par le confortable et repoussé par l'inconfort. Quand le désagréable nous repousse et que l'agréable nous attire, c'est pas de juger l'un ou l'autre, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est juste faire lumière sur et voir ce comportement-là. Ça, dans le bain froid, c'est génial. Parce que tu rentres dans le bain froid, tu as une seule chose. Tu as envie d'une seule chose, c'est de sortir. Toutes les cellules de son corps te disent, barre-toi de là, mais qu'est-ce que tu fais là, à rentrer dans un truc pareil? C'est un enfer. Et là, toi, tu choisis de rester. Là, il y a un contrôle top-down, hein, des aires corticales par rapport aux réflexes archaïques. Voilà, du système limbique qui nous dit mais survie, donc on se barre, et toi qui dis non, je reste un peu plus longtemps, juste le temps d'une respiration. Et là, en fait, on a la capacité de remonter la pelote de laine et de voir que nous ne sommes que cet esprit-là, cette cognition, c'est qu'une émergence d'un système sensitif qui capte le monde, qui agit dans ce monde et qui y accorde une émotion. Etc., etc. Et on remonte et on remonte et on voit qu'au début, en fait, c'est qu'une information, la douleur. Et j'en fais ce que je veux. C'est pour ça qu'il y a des gens, après, au bout d'un moment, ils sont tellement bons à la moduler et à naviguer avec, que comme Wim Hof, il reste 1 heure, 2 heures dans le bain froid. Hein. Bon, c'est pas ce que je vous promets, hein. Moi, j'y arrive pas non plus, mais en tout cas, c'est des moments vraiment incroyables et je pense qu'on a tous vécu ça, c'est-à-dire. Le jour où tu te dépasses dans une épreuve sportive, que même parfois tu te soumets à ton mental, c'est-à-dire t'abandonnes. Tu t'avais prévu de faire 10 tours du stade, 10 fois 400, et les 10 fois 400, pour ceux qui. Voilà, Christophe, toi, tu connais par cœur, hein, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais tu fais un 10 fois 400, tu fais un 10 fois 800, ce genre de truc immonde, là, avec genre 1 minute 30 de récup, c'est terrible. Tu es au bout de ta vie. Et au huitième, tu te dis, bon, je peux pas, quoi, c'est pas possible, je vais gerber. Pas possible. Et tu dis, ouais, allez, j'abandonne. Tu rends les armes au mental, tu dis, c'est bon, j'abandonne. Et à la David Goggins, tu sais, tu reviens derrière. Tu dis, non, finalement, je l'ai fait les 2 derniers tours. Et là, c'est une telle victoire que tu as presque envie de le crier sur tous les toits, hein, de prendre le premier passant qui vient, tu sais ce que j'ai fait. Hein. Bon, lui, il s'en foutra complètement, mais c'est exactement ça. Laisser gagner le mental et repartir derrière. Ce petit moment-là, où on voit vraiment le mental se dire je vais vers le confort et je fuis l'inconfort, et qu'on fait la lumière sur, pour les bouddhistes, c'est là où tu casses la roue du karma. C'est là où tu casses tout, en fait, et tu as le choix de reconstruire le système, de changer la structure. Ça, bon, ils disent ça depuis des générations, mais quand les neuroscientifiques ont vu ça,
Ils se sont dit, mais punaise, c'est exactement ce qu'on dit au niveau de la plasticité, c'est exactement ce qu'on dit au niveau des neurosciences, de la neurobiologie, etc. Et donc, ouais, croiser ce genre de choses, ben pour moi, ça a été une des révélations, parce que j'ai été formé au yoga Tummo, donc qui est vraiment donc, du yoga, inspiration bouddhiste tibétain, où il y a de l'exposition au froid. Et on ne dit que ça. Quand on nous demande pourquoi vous faites de l'exposition au froid, c'est juste pour trouver ce moment-là, juste pour parler avec soi-même et voir ce qui est le vrai discours interne. Parce que en dehors de l'inconfort, tu sais ça, Adri, c'est une phrase de Julien et même, je pense, de Richard chez StrongFit. Et je pense qu'il avait dit au séminaire StrongFit, si vous voulez voir les faiblesses d'un athlète, stressez-le. D'ailleurs, à partir du moment où vous ne vous mettez pas dans le mal, dans l'inconfort, les déséquilibres, voilà, tout ce qu'il y a comme impair et comme faiblesse, vous n'allez pas les voir, parce qu'il va y avoir des phénomènes de compensation. Et donc là, c'est pareil, si on philosophe comme ça sur le froid, sans expérimenter le froid, et qu'on essaie de trouver les méandres de notre esprit, sans se mettre dans le véritable inconfort et dans le challenge, on va pas aller bien loin, quoi. Ça, c'est vraiment très occidental et même très français, en fait, de séparer le corps et l'esprit. Jamais dans l'histoire du bouddhisme, comme je l'ai souvent dit, on a séparé. Enfin, la philosophie est devenue une branche à part, unique, purement théorique. Ça a toujours été inscrit dans le corps, avec une pratique corporelle. Nous, en France, on philosophe, voilà, sans passer à la pratique corporelle. Et donc, on a ce dualisme corps-esprit. Mais dans les autres cultures, dans beaucoup d'autres cultures, ils parlent au singulier, c'est corps-esprit, le corps-esprit, pas à séparer les deux. Donc, ça aussi, ça va être un gros morceau. Le froid, et on va le pratiquer et on va en parler. Alors, sur tous les processus évidemment biologiques, hein, ça ne va pas être seulement de la philosophie et des sciences cognitives. Ça va être vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau neurotransmetteur, au niveau vasoconstriction, pourquoi c'est intéressant chez le ou la sportive. Donc ça va être un gros morceau. Et puis vraiment, là où j'ai envie de pratiquer et là où c'est vraiment pertinent pour les sportives et les sportifs et les coachs, c'est la respiration. C'est quand même le truc qui est de plus en plus en vogue quand même, parce que on en parle, parce que il y a des gens qui font le taf dans les réseaux. Sean chez Upside Strength, on a donc dans les francophones, on a mon ami Leonardo Pelagotti de la méthode Wim Hof qui le fait très très bien aussi. Et puis bah, outre-Atlantique, voilà, il y en a plein, il y en a plein qui le font très très bien. Il y a Dis-moi, Christophe. aussi Stéphane Janson avec qui fait du très bon boulot aussi avec la sa Briefing Academy à Annecy. Mais oui, une école qui a ouvert ses portes il y a très peu de temps finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Il a pris beaucoup de temps en fait pour aller. Il a vu ben, tous ceux, McKeown, Buteyko, enfin tous ceux. Il a vu tout le monde et puis en fait il a expliqué aussi derrière. Il a fait une synthèse de tout ça. Donc c'est intéressant. Il ne s'est pas mis en avant. Voilà une nouvelle méthode. Il a appris et il a essayé d'expliquer. Donc très intéressant aussi. Clairement. C'est vrai, hein, il y a voilà, différents courants. Moi, c'est clair que je ne pourrais jamais dire que j'ai inventé quoi que ce soit. C'est sûr que ceux qui m'ont le plus impacté, bon, bah, ça a été Patrick, comme tu l'as très bien dit, Patrick McKeown pour Oxygen Advantage, héritier de Buteyko, Brian McKenzie, bien plus Brian McKenzie, du programme Shift Adapt. Et je suis très content parce que Andy Galpin, qui est récurrence chez Andrew Huberman en ce moment pour les moments de synthèse autour de la préparation physique, quand on lui pose des questions de respiration, il dit, bon, tout ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai pompé sur Brian McKenzie. Et voilà, donc il est très clair là-dessus sur, par exemple, les vitesses de respiration. Et Brian McKenzie utilise ces vitesses-là en rapport avec les filières énergétiques. Et c'est beaucoup plus simple de se dire que là, je suis sous le seuil lactique, là, je suis un peu plus que le seuil lactique. Ceci, cela, c'est beaucoup plus simple de passer par la respiration parce qu'on a un rétrofeedback et on a une analyse de soi-même qui est directe par la respiration. Et donc, ils utilisent des vitesses très simples. Alors, il en met 4 ou il en met 5, mais généralement, c'est plus facile d'en faire 4. C'est respiration nasale uniquement, donc effort peu intense, marche, voire jogging léger. Vitesse 2, c'est sur l'inspiration, toujours par le nez, je le prends fortement par le nez, je respire fortement par le nez.
Donc, inspiration, expiration, fort par le nez. Donc, ça s'entend, ça devient bruyant. Vitesse 3, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Vitesse 4, bouche, bouche. Tout simplement. Et on a le seuil lactique entre la vitesse 2 et la vitesse 3. C'est-à-dire que c'est le moment où on commence à devoir ouvrir la bouche, véritablement, parce qu'on a épuisé notre capacité à respirer par le nez. Quand on commence à ouvrir la bouche, c'est qu'il y a des lactates et des protons qui commencent à se retrouver dans la circulation sanguine. Ça correspond plus ou moins à ce moment-là. Et que là, soit on accélère parce qu'on voit la ligne d'arrivée, parce qu'on est dans un WOD de crossfit, parce que ce que vous voulez, qu'on sait que l'effort il va être intense, mais qu'il ne va pas durer beaucoup dans le temps. Et donc là, je peux monter en vitesse 4, être à fond, ouvrir la bouche, etc. Soit je suis dans un ultra-trail, je suis monté en vitesse 3 parce qu'il y avait une côte, mais après, je dois redescendre. Et là, on peut expirer le CO2, se focaliser un peu plus sur l'allongement de l'expire pour entraîner par la vapeur d'eau que j'expire, eh ben, de l'H2O aussi, des molécules d'eau. Et donc, s'il y a des molécules d'eau H2O, c'est-à-dire que H2O, il y a du H, donc j'expire des hydrogènes. Et donc, je fais varier mon pH sanguin, qui est quand même une des variabilités, qui, localement, au niveau musculaire, dit au corps qu'il se passe un problème. Et bon, si le pH sanguin commence à changer parce qu'on a un effort physique qui est trop intense, il va falloir qu'on arrête dans pas longtemps. Donc, demande d'arrêt, signal de douleur, etc., etc. Donc, variation du pH et variation de température locale. Quand le muscle augmente en température, on sait qu'il y a certaines enzymes comme l'ATP synthase qui est sensible à la température. Et donc, l'enzyme arrête de travailler, on arrête de faire de l'ATP. Pour soulager, pour faire varier la température, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il faut que l'angiogénèse, il faut que les capillaires sanguins soient bien développés, il faut que ça circule bien, et il faut que la régulation de température se passe bien. Pour ça, la respiration, c'est un peu le seul levier que vous avez sous la main. Donc, pour gérer l'effort, pour gérer le système nerveux autonome, pour calmer le système, ou pour l'éveiller, d'ailleurs, c'est notre seul levier d'action. On dit le système nerveux autonome pour tout ce qui se passe en dehors de notre volonté. Il faudrait plutôt dire le système nerveux automatique. C'est-à-dire, c'est comme une voiture automatique. Vous savez, la voiture automatique, vous n'avez pas besoin de passer les vitesses, mais c'est quand même vous au volant et c'est quand même vous qui actionnez les pédales. C'est-à-dire, à tout moment, vous pouvez changer le rythme. À tout moment, vous pouvez changer de direction. Okay. Donc, ça se passe. Le moteur tourne, les vitesses passent toutes seules. Ça se passe sans vous, ok, certes, mais à tout moment, je peux accélérer, je peux freiner. Et le fait d'accélérer et de freiner, ça, c'est la respiration qui vous permet de faire ça. Et j'ai même envie de dire, respiration, elle permet de tourner le volant. C'est-à-dire, vous commencez à pouvoir changer de mindset aussi et d'état d'esprit par la respiration. Parce que vous augmentez votre vigilance, vous augmentez certaines choses. Et ceux qui ont pratiqué la méthode Wim Hof ou plein d'autres respirations qu'on pratiquera ensemble, par exemple les apnées, apnée poumon vide, apnée poumon plein, enfin bref, on en fera plein pendant le stage le mois prochain, vous allez voir à quel point ça change votre état d'esprit du moment. Et c'est pour ça que Wim Hof, lui, il a commencé, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une espèce de yogi qui connaissait un gros moment de dépression dans sa vie, qui a perdu sa femme, qui s'est suicidé, etc. Et au plus mal dans sa vie, il a trouvé le froid, il a trouvé la respiration. Enfin, très concrètement, c'est ça qu'il a fait. Et lui, dépressif, il disait, moi j'avais l'impression que quand je faisais mes cycles de respiration et d'hyperventilation, je prenais du LSD, quoi. Je prenais un truc qui me euphorisait, et ça m'a sauvé la vie. Très concrètement, c'est ça l'histoire de sa vie. Donc, ça change énormément de choses, de pratiquer la respiration. On verra les protocoles, parce que, voilà, si je vous pose la question, vous qui êtes sans doute dans le monde sportif, qui avez des sportifs à accompagner, etc., qu'est-ce que vous faites quand vous entreprenez pour la première fois une personne ? Pour la première fois, elle vient vous voir. Pour la première fois, vous faites, je ne sais pas moi, voilà, un coaching, peu importe. Qu'est-ce que vous faites en premier ? Vous l'évaluez. Vous faites un testing de quelque chose. Vous l'évaluez. Alors, en neuros, on va évaluer les réflexes archaïques, les patromoteurs, le système vestibulaire, le système visuel. Vous allez faire des évaluations. Ben, en respiration, on fait la même chose. On évalue l'état de la personne dans sa façon de respirer. Il y a deux grands volets à la respiration. C'est comment ça bouge et la biochimie interne. Le neuromécanique, on voit bien que quand ça respire, ça bouge. Hein.
Ok, ça c'est bon, ça bouge. Donc il y a du mécanique, mais en fait, ça c'est. Qu'est-ce que quelque chose qui est mécanique dans le corps? C'est du neuromécanique, parce que c'est les nerfs quand même qui actionnent les muscles. Donc, neuromécanique avec deux centres importants au niveau du tronc cérébral, qui vont, via les nerfs phréniques et les nerfs intercostaux, faire bouger. Donc, les nerfs phréniques, c'est pour le diaphragme, les nerfs intercostaux pour les côtes. Et donc, ça, c'est deux voies. Et comme la connexion cerveau-muscle dans la muscu, c'est est-ce que tu es capable de faire bouger ton biceps? Est-ce que tu es capable de faire bouger ton triceps? Hein, c'est une connexion cerveau-muscle. Et en muscu, tant qu'on ne sait pas faire ça, bon, ben, on te considère comme un gros débutant, quoi. D'abord, tu dois savoir pouvoir recruter ton muscle. La respiration, c'est pareil. Tu dois savoir pouvoir recruter ton diaphragme volontairement et tes intercostaux volontairement. Avoir une respiration basse et avoir une respiration horizontale. Et pas seulement respirer de manière complètement uniforme avec les épaules qui montent à chaque fois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la biochimie interne. Est-ce que tu es tolérant relativement au CO2 qui s'accumule dans ton corps ou intolérant? C'est-à-dire que ce CO2 qu'on rejette par l'expiration, on n'a que des capteurs au CO2 dans le corps, on n'a pas de capteur à l'oxygène. C'est fort, ça. C'est-à-dire que l'oxygène, on pense toujours que c'est parce que je manque d'oxygène que je vais respirer. Quand vous faites une apnée, là, si je vous dis, allez, apnée, vous êtes... et vous partez en apnée, et au bout d'une minute, besoin de respirer. Là, vous vous êtes dit, ouais, ben, je manquais d'air. Non, je ne sais pas que tu manquais d'air. Le signal d'alarme, il a été envoyé par une accumulation de CO2 dans le corps. Parce qu'on n'a pas de capteur chimique, des chimiorécepteurs dans le corps pour l'oxygène. Parce que l'oxygène, dans votre corps, il est sur les globules rouges. Il n'est pas libre, l'oxygène. Donc, il n'y a personne qui peut le capter, pour savoir combien il y en a. Okay. Par contre, CO2, le CO2, lui, il se trimballe dans le sang. Il se trimballe dans le plasma sanguin. Et ça, on a, au niveau du cerveau, dans la base du cerveau, on a des capteurs au CO2 qui va voir tout ça et qui va dire au corps, oh là là là, ça s'accumule. Signal d'alarme, il faut qu'on respire. Donc, est-ce que tu es capable d'accumuler du CO2 en toi? C'est ça qui va rythmer, un peu comme un tambour, ton rythme respiratoire, ta capacité à l'effort, etc. etc. Donc, c'est ça qu'on va tester, notamment par des apnées, par des expirations longues, pour voir comment ça se passe chez la personne. Et évaluer ces deux volets-là, ça vous donne une jauge de où en est la personne. Et là, vous allez avoir des surprises assez incroyables. Parce que si vous dites que ouais, cette personne-là, elle est plutôt fit, c'est un champion de ceci, cela, il y a des super perfs. Moi, j'ai vu des trucs pas possibles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Pierre Bordeaux, qui est quadruple champion de France, que j'embrasse, qui est un sportif que je suis depuis plusieurs années maintenant. Quadruple champion de France de 10 km. Donc le gars, il court le 10 km en moins de 28 minutes. Tu te dis, bon, c'est une flèche, quoi. Le type, il va me faire une apnée de 5 minutes, un poumon plein, etc. Il est incapable de tenir sa respiration, plus de 45 secondes. Et pire, son apnée à poumon plein, c'est le même temps que son apnée à poumon vide. C'est-à-dire, vide tes poumons, part en apnée, il fait 45 secondes. Prends un maximum d'air, part en apnée, il fait 45 secondes. Donc, c'est pas possible, quoi. Et donc, améliorer sa respiration, sa gestion de la respiration et sa tolérance au CO2, c'est pour ce genre de personnes-là, de 3 à 5% de performance en plus, au moins. Ce qui est totalement énorme. Mais c'est à ce niveau-là. Alors qu'ils travaillent avec leur corps, avec leur système respiratoire toute la journée. Et pour monsieur et madame tout le monde, c'est un, comme on dit en américain, c'est un game changer, quoi. Ça peut vraiment être énorme en termes de, voilà, madame Michou qui a des problèmes de pas bien, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi, établir des protocoles après sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur comment progresser avec des exercices de cadence de respiratoire, des exercices d'apnée. Bah, tout ça, c'est ce qu'on verra aussi lors du séminaire. Donc voilà, respiration, chaud et froid, parce que j'ai parlé beaucoup du froid, mais voilà, l'hyperthermie à travers le sauna, les bains chauds, c'est super intéressant aussi pour le sportif. C'est même, pour moi, beaucoup plus l'allié de la récupération, bien plus l'allié de la récupération que le froid, hein. On vend le froid à toutes les sauces de nos jours, c'est la formule magique qui permet de récupérer. Non, non, non. Le froid, c'est anti-inflammatoire, certes, mais dans une perspective de croissance. Par exemple, si vous avez votre client, c'est un gros fan de musculation, il veut prendre 10 kilos de muscle en un an,
c'est pas le bon moment de sa vie pour inclure des bains froids dans son quotidien, voire dans sa semaine. Parce que vous allez lui couper l'inflammation, qui est le signal pour dire au corps qu'il faut qu'on reconstruise. Donc vous allez envoyer deux signaux contraires. Et ça, je suis très content, parce que je le dis et je le dis depuis des années, et encore une fois, Andy Galpin, grande autorité dans le monde, interviewé par Andrew Huberman, grande autorité dans le monde, disent exactement ça. C'est-à-dire, c'est les gars, vous jouez avec les mauvais outils à ce jeu-là. Donc, par contre, le froid, encore une fois, il y a plein de bons côtés à utiliser le froid, mais par contre, le chaud, oui, pour le coup, ça c'est un super allié, donc on fera un topo là-dessus aussi. Quand le faire? À quel timing? Parce qu'en fait, c'est qu'une histoire de timing, tout ça. Pour quelle durée? Et puis après, ça va partir en philosophie du coaching et en éthique. Et c'est là le plus intéressant, parce que si tout ça, tout ce qu'on blablate là, si ça ne nous fait pas débrancher sur une philosophie de vie et une transmission vers autrui, ça sert un peu à que dalle, on est tous d'accord, je pense. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Est-ce que vous voulez qu'on aborde un sujet autre ou qu'on approfondisse quelque chose? Dites-moi. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Ça donne surtout envie d'approfondir avec mon séminaire au mois de mars, là. Ça va être tout simplement exceptionnel. Je me dis encore une fois, le soir, en t'écoutant, qu'on a bien fait de t'inviter lors du séminaire. Ça va être chouette. Je pense que tu as soulevé beaucoup de choses, en tout cas qui ont fait écho plusieurs moments dans tout ce que tu as dit, tu vois. Et donc, ça va être vraiment sympa. Vraiment cool. Sympa. Donc, j'ai vraiment hâte. Pour les gens qui ne savent pas de quoi il retourne, le séminaire, la Boire NP, on effectue des séminaires pour les gens qui sont sur notre formation 4 fois par an. Et dans ces séminaires, on invite toujours un intervenant externe, un intervenant qui a des billes à apporter par rapport à sa pratique professionnelle et personnelle. Donc, on a fait intervenir toutes sortes de personnes. Et là, on fait intervenir le dimanche après-midi Pierre. Et on propose toujours aux intervenants externes de rester le lundi-mardi pour proposer un séminaire. Et donc, Pierre a accepté de venir sur le séminaire de la Boire NP et après de rester 2 jours pour donner son séminaire. Donc, son séminaire sera lieu dans le Grand Est. T'as vu, hein, je t'ai envoyé le petit lien de là où ça se passe. On est paumé au milieu de nulle part. Personne ne sait où c'est sur la carte de France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que tu y es, c'est pas trop mal parce que c'est des petits chalets en bord d'un étang, donc pour le côté froid, on l'a, surtout au mois de mars dans le Grand Est. Et puis aussi le côté où on a accès à un spa, sauna, hammam, jacuzzi, bain chaud, etc. Donc on va pouvoir mettre en pratique tout ça. Donc pendant que vous ferez dans l'étang, moi je vous attendrai dans le sauna. J'ai bien compris. Et non, mais ça va être cool. De toute façon, nous, les trois de la Boire NP, on sera présents. C'est sûr, on a vraiment hâte. Tu as donné plein de petits tips déjà pendant cette petite heure, ce qui me met en tout cas l'eau à la bouche. Et Romain aussi, parce que Romain, il m'a envoyé plein de messages à côté avec des liens et tout. Donc voilà, on va lire beaucoup de choses ce soir. Mais ça va être cool. Exceptionnel. Il y a déjà plusieurs inscrits, donc on arrive déjà à une petite dizaine d'inscrits. Dépêchez-vous parce que c'est au mois de mars. L'avantage, c'est que l'endroit où on est, comme on est dans des chalets, etc., et que c'est sur des périodes creuses, on arrive à négocier les tarifs. Donc on a des nuits qui sont aux alentours de 25 € la nuit. Les repas, on s'arrange pour avoir des repas sur place, 10 € le repas, le midi, etc. Donc voilà, tout est fait pour vous accueillir au mieux. Et je vous mets le lien justement en discussion. Oui. Ah, super, ça va être vraiment cool. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, envie d'explorer tout ça pendant 48 heures, c'est le moment là. C'est un format hybride que j'ai pas trop l'habitude de faire. On va condenser les choses parce que soit j'ai généralement une intervention, un séminaire de 3 heures qui me fait intervenir quelque part,
soit j'ai une semaine. Mais entre les deux, 48 heures, j'ai rarement ça. Et là, donc, ça va être un challenge aussi pour moi de vous transmettre un maximum et aussi d'expérimenter un maximum. Le froid, la respiration, tout ce qu'on s'est dit là, l'exercice physique intense, vous challenger un petit peu et de répondre à vos questions. Parce que, voilà, comment je mets ça, comment tous ces outils-là, on les met en place avec mon client, mon sportif, etc., qu'on partage tous ensemble. Et j'ai autant à apprendre que vous. Hein. C'est-à-dire que moi, je vis pour ces moments-là. Sinon, le reste du temps, je suis dans ma montagne, dans les Pyrénées, et je ne vois personne. Donc, ces moments-là, c'est extrêmement important aussi pour moi, pour me nourrir. Donc, je suis très friand que vous veniez aussi avec vos retours d'expérience par rapport à tout ça, pour qu'on explore, encore une fois, tout ce qui se passe dans la vie d'un sportif, dans la tête d'un sportif et dans la relation coach-sportif. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et l'éthique du coach, voir comment, finalement, tout ce qu'on développe dans la compréhension de la narration, du cerveau humain, de la narration interne, etc., ça nous fait déboucher à comment j'interviens dans la vie de mon sportif. Comment je fais pour intervenir de la bonne manière et que ça ne casse pas un système qui s'est mis en place. Hein, dans la neuro, vous parlez souvent de ça, c'est-à-dire que le système est juste le reflet et l'image de son environnement. Moi, là, je vais intervenir avec des choses. Est-ce que je fais bien de casser tout ça avec des semelles? Est-ce que je fais bien de casser tout ça avec des exercices? Est-ce que dans ma volonté de remettre une droiture, dans ma volonté de remettre en place un système, est-ce que, en fait, je casse pas ce que Mère Nature a provoqué comme adaptation? Et on se pose ce genre de questions-là. Quand on arrive avec la nutrition, par exemple, quand vous apprenez un truc sur la nutrition, vous dites à quelqu'un, arrête de manger du Nutella, voilà, on prend les choses voilà, telles qu'elles sont, de manière très binaire, c'est-à-dire McDo, pas bon, arrête de manger des pizzas, genre de truc. Mais en fait, c'était le secours pour la personne émotionnelle, la béquille, qui lui permettait de ne pas faire d'autres conneries. Et que si vous lui enlevez ça, autant, il y a d'autres choses qui dégénèrent après dans sa vie. Donc, un être humain, c'est un château de cartes. Si on s'amuse à enlever une carte parce qu'on pense qu'elle n'est pas bonne et que tout se casse la gueule, voilà, on va se redemander. Donc, c'est important de se re-questionner sur la manière dont on transmet, extrêmement important, et pourquoi, peut-être une question que je peux vous poser maintenant, hein, pourquoi, selon vous, les meilleurs joueurs, peu importe le sport, les meilleurs sportifs ne font pas forcément les meilleurs entraîneurs? Pourquoi les plus performants, hein, peu importe le sport, ne font pas forcément les meilleurs sportifs et les meilleurs entraîneurs? Donc Zidane, c'était le meilleur, c'était Dieu, c'est toujours Dieu, il devient le meilleur entraîneur au monde, hein, qui fait vivre le Real Madrid, etc., comme personne, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Donc pourquoi ça se passe pas à chaque fois comme ça? Une question qu'on peut légitimement se poser. Adri, tu avais allumé ton micro. Ouais, je pense que avec ta question, on peut partir sur une heure de débat. Ouais, non, c'est sûr. Parce que ça mélange l'ego et compagnie. Exactement. Et tout ça pour dire, je ne vais pas vous tenir plus longtemps, mais c'est le genre d'ouverture et de débat que j'aime avoir parce que on peut rentrer dans le débat d'opinion pure et rester là-dedans et donc débattre indéfiniment, ou on peut justement essayer de se raccrocher à des choses qu'on a expliquées en amont sur. Comment ça naît à tout ça, l'histoire qu'on se raconte dans la tête? Et une fois que tu as compris ça, tu comprends beaucoup d'autres choses. Tout ça pour vous dire, je vais aller à la conclusion tout de suite, c'est que j'avais tenu ça d'un prof de peinture. Et le gars, jeune, c'était un génie. C'était pas un vieux barbu, etc. C'était vraiment un gars, il devait avoir maximum 50 ans. Et c'était un peintre incroyable. Et il disait... Exactement ça. Pourquoi les meilleurs peintres et les meilleurs artistes ne sont pas forcément les meilleurs profs de peinture? C'est parce qu'ils ne savent pas dégager leur propre expérience de leur pédagogie. Ils ne savent pas faire la différence entre les deux. Ils essayent de transmettre ce qu'ils vivent après 30 ans de peinture, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils sont en train de ressentir là, à un débutant qui commence tout juste. Mais comment le débutant il peut comprendre que la peinture, c'est de la poésie avec des... Voilà, et qu'on s'immerge, qu'on fait corps avec la peinture, il ne comprend rien, il tient un pinceau pour la première fois. Et tant qu'on ne sait pas dégager sa propre expérience, en fait, du monde,
et qu'on pense toujours décrire un monde qui est là, préétabli, déjà préfait, et qu'on pense qu'on a trouvé la vérité parce qu'on a fait 35 ans de cheminement dans ce monde-là, de la peinture par exemple, ou du football, etc., et qu'on pense avoir trouvé la vérité, et qu'on essaie de transmettre cette vérité-là à un débutant qui, lui, est là depuis 5 minutes, il comprendra que dalle. Mais à partir du moment où on se dit qu'il n'y a pas de vérité à trouver, il n'y a pas de monde de préétabli, il n'y a qu'un organisme sensible qui a sa sensibilité, qui nourrit son action dans un monde dans lequel il est incarné, et ça, ça boucle. Et donc, comme on est tous dans chacun des boucles différentes, il n'y a pas à convaincre l'autre de dire « c'est comme ça que ça doit se passer ». Il n'y a que à, comme disait Bruce Lee, donner les conditions parfaites pour que ça advienne. Et tout d'un coup, on met beaucoup plus le focus, non pas sur l'élève, le sportif qu'on accompagne, mais sur l'environnement et les conditions à lui proposer pour qu'il grandisse. Et ça, ça change tout pour l'accompagnement et la pédagogie d'un entraîneur, d'un coach, etc. Voilà, je vais arrêter de blablater parce que sinon vous allez vous endormir. Oui, donc bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention, c'était vraiment super sympa. On avait plein de petites questions, c'est vrai qu'on avait préparé avec Romain, mais je pense qu'on va se les garder au chaud pour le séminaire parce que ça marche, il va y avoir beaucoup de choses à dire et on a un spectateur. Coucou! Bah, si t'es là, il faut dire bonjour à tout le monde. Bonjour! Voilà. Bonjour! Ah, t'as pas froid, toi? T'es beau. Hein. Non, lui, il a pas froid, non. Il a jamais froid. Tu vois, la perception du froid, c'est les parents qui l'ont, hein, pas les enfants. Hein. Il était tout petit, il était tout. Hein, t'as toujours été tout nu, toi. Hein. T'aimes bien balader tout nu. Sa maman est toujours là. Oh, tu vas avoir froid. Mais non, non, non. C'est nous, c'est notre perception. Voilà. C'est marrant, c'est comme tu parlais de couleurs. Attends, tu me laisses juste finir, s'il te plaît, j'en ai plus de 2 minutes et j'arrive. Regardez sur Internet. C'est comme quand tu parlais de perception des couleurs, ça fait beaucoup de résonance parce que la perception, des couleurs, c'est la perception que nous, on en a en tant que cerveau humain. Tu vois, si on était tous des chiens, on verrait tous une couleur différente, tu vois. Et donc, au final, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des. C'est pour ça qu'il y a des. Désolé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens en fonction, mais même des fois du sexe, tu as des perceptions de couleurs différentes, tu vois. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça qui ont été intéressantes que tu as dit et que j'ai envie de creuser un petit peu plus avec toi, mais je pense qu'on le fera, au séminaire, ça sera super intéressant. Carrément, avec grande joie. Donc voilà, désolé pour le bruit de la dernière minute. Non, il a été bien. Très calme pendant 1 heure, ça a été super chouette. Tu sais, la conférence à la fin de votre week-end, ça va être sur l'antifragilité. Et s'il y a un terme à retenir, c'est vraiment ce terme de volatilité. Les choses qui sont imprévisibles, hasardeuses. Les enfants, c'est volatile. C'est ça qui est bien. Les enfants, tu les mets dans une pièce, et si tu as un vase dans la pièce, tu dis punaise. Un vase plus un enfant... ça va pas le faire. Et en fait, la vie, c'est ça. Et c'est pour ça que les enfants, j'adore les avoir dans les pattes parce que justement, eux, ils nous font agrandir notre antifragilité. C'est-à-dire, antifragile, on l'est tout le temps. Hein, c'est pas un truc qu'on doit trouver. Mais c'est juste qu'on peut le cultiver et le renforcer en ayant des éléments comme ça volatiles. Et les enfants, c'est génial pour ça. Yes. Eh ben, je t'invite. Venir revoir le mien. Non, pas en faire, parce qu'en fait, ça dépend de la perception de chacun qui décide ce qu'il veut faire ou pas de sa vie. Mais... Non, mais ceux qui ont des enfants comprennent. Ça fait des pics, comme ça. Et c'est voilà. Génial. C'est génial. En tout cas, les enfants, je trouve que, comme tu dis, c'est un bon guide, parce que ils nous apprennent beaucoup de choses par leur évolution. Alors là, je vais partir sur des trucs neuro, mais quand tu les vois évoluer, tu sais, et qu'ils sont quasiment systématiquement dans l'échec, tu sais, dans les premiers mois de leur vie, parce qu'ils essayent toujours quelque chose qu'ils n'arriveront pas à atteindre, puis au final, pour arriver à l'atteindre. Et tu vois, et c'est ça qui est fort. Et donc, et eux, ils ne se plaignent pas. Exactement. Donc voilà, et ils renforcent cette antifragilité. C'est ça qui est bien, toi. Non, mais c'est nos maîtres, hein, bien sûr que c'est nos maîtres. Il faut, comme Einstein, avoir ce raisonnement d'enfant dans un cerveau d'adulte, c'est-à-dire continuer à se poser des questions. Einstein, qu'est-ce qu'il a fait pour travailler sur sa théorie de la relativité restreinte et générale, ou tout, il s'est toujours posé des questions d'enfant. Il s'est dit,
Ok, rien ne peut aller plus vite que la lumière, la vitesse de la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis en train de chevaucher un photon et que moi-même j'émets de la lumière? C'est-à-dire, je vais déjà à 300 000 km par seconde. Mais la loi universelle dans l'univers, c'est rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc, si je suis déjà sur la lumière et que là, je prends une lampe, petite lampe torche et que j'émets de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va faire 600 000 km par seconde, mon jet de lumière? Ben non, on ne peut pas cumuler les deux, c'est rien ne peut aller plus vite que la lumière. Donc là, et là, il s'est dit, ouais, d'accord. En fait, j'ai compris quelque chose. C'est que tout est un point de référentiel, en fait. Toute une histoire de référentiel. Et de là, il a eu le raisonnement d'adulte, mais avec des questionnements d'enfant. Et c'est pour ça que c'était un génie. Donc, il faut qu'on garde tout ça parce que, certes, les enfants, ils n'ont pas le cortex préfrontal formé. Donc, ils vont dire tout ce qui passe. Ils vont dire « Ah, papa, pourquoi le monsieur, il est gros ?» Et donc, le gars en face, comme ça, il t'en fout une, mais à toi, pas à l'enfant. Enfin, tu vois, ils ne vont pas avoir de filtre. Nous, on a les filtres. Mais attention à ce que les filtres ne deviennent pas trop gros, justement. Et qu'on garde notre âme d'enfant avec les questionnements. Donc, j'espère que les gens qui viendront au séminaire le mois prochain, ils auront des questions d'enfants parce que c'est les meilleures questions. Eh ben, c'est super. Je remets une dernière fois là, le petit lien, si vous ne l'avez pas vu, pour le séminaire de Pierre. Il y en a qui m'ont posé des questions en privé. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, on vous accueille avec plaisir. De toute façon, quand vous vous inscrivez au séminaire, on vous recontactera pour les hébergements, pour la nourriture et tout, et tout, et tout. Vous n'aurez pas grand-chose à faire d'autre à part être présent pour écouter Pierre. Un et peignoir puis, et un maillot partager. De bain. Peignoir, maillot de bain. Bah ouais, carrément. Maillot de bain, ça serait vraiment dommage de pas le prendre. Hein. Pas pour le froid, hein, pour le chaud. Pour le sauna, ouais. J'entends bien. Ça marche. Bonne nuit, petit bonhomme. Bon, ben, bonne nuit à toutes et à tous. Merci d'avoir été présent. En tout cas, merci Pierre d'avoir été encore présent ce soir lors de ce petit webinaire de présentation de ton séminaire. Et on se dit à bientôt. À bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Tu dis au revoir. Bientôt. Merci, ma bureau. Merci, papa.